On passe maintenant au sport avec du basket et le fameux tournoi mondial de la jeune garde qui s'est déroulé à Tourcoing. Ce samedi, il y avait des matchs de poule et un match choc entre la Serbie et les États-Unis qui ont rejoint donc ce tournoi. Un match serré remporté par les Américains en prolongation. Match remporté 71 à 68. Et puis au programme de cette année, il y avait aussi une nouveauté. Le club Eurométropole a vu le jour, une alliance entre clubs français et flamands. Ce nouveau club a fait ses premiers pas ce week-end. Il a même réussi à se hisser jusqu'à la finale, un tournoi qui a passionné un large public. Écoutez leurs impressions. C'est une manifestation un petit peu exceptionnelle dans le sens où ça réunit des grandes équipes étrangères, internationales. Et puis on a une super ambiance. Vraiment, Tourcoing organise quelque chose de... Tous les ans, on n'attend que ça. Franchement, c'est excellent. Il y a du monde. Il y a de la bonne ambiance. C'était vraiment excellent. Un grand suspense sur le match entre la Serbie et les États-Unis. Quand même quelques erreurs d'arbitrage qui sont regrettables à ce niveau. Et un grand suspense, oui. Des grands moments, des émotions.